for all these big chap, he's our father. Yes. نحن في بلدنا والمعتدي يأتي عبر البحار ليغزو هذا البلد. الحرب قربت. فرضت؟ J'ai fait trois films sur l'Irak et Homeland, c'est donc le troisième. C'est une sorte de triptyque, mais les deux premiers, c'était des commandes pour la télé, la France Télévisions. Et même si je les revendique, j'en suis fier, les films ont été dans des festivals, ils ont été primés. Mais j'étais frustré un peu parce que la télévision impose une sorte de format, c'est-à-dire par exemple 52 minutes, un commentaire omniprésent. Et j'ai souffert beaucoup de ça. Et c'est pour ça que quand j'ai décidé de faire Homeland, j'ai décidé de faire un vrai film de cinéma. Et donc, il n'y a pas de commentaire du tout, parce que je trouve que l'image suffit à elle-même. Et je pense que le spectateur est suffisamment intelligent pour comprendre ce qu'il voit à l'image. Il n'a pas besoin d'un commentaire qui lui explique ce qu'il est en train de regarder. Et voilà, et même pour la longueur. Donc, jamais si j'avais proposé le film à la télé, jamais il m'aurait suivi. Parce que voilà, 5h30, ça n'existe pas pour la télé. Alors, j'ai tourné pendant un an et demi de février 2002 jusqu'au juillet 2003. Et il y a eu une tragédie familiale qui a fait que je ne pouvais plus regarder les images. Enfin, c'est les spectateurs qui ont vu le film comprendront ce que je veux dire. Et donc, je ne pouvais vraiment pas les regarder. Et 10 ans après, en 2013, à l'occasion du 10e anniversaire de l'invasion américaine de l'Irak, je me suis dit, il faut que je regarde ces images-là. J'avais 120 heures de rush et je me suis dit, je n'ai pas le droit en tant que cinéaste de cacher ces images, il faut peut-être que je les montre. Donc je les ai regardées, en les regardant, j'ai vu le film possible. J'ai vu que, enfin, j'ai filmé un moment historique, donc le basculement de l'Irak, de la dictature au chaos de l'après-guerre, et j'étais peut-être le seul à l'avoir filmé, en tout cas sur cette longueur-là. Et en tant que cinéaste, je n'avais pas le droit de ne pas le montrer. Donc je me suis vraiment forcé à regarder le film, à passer un an et demi au montage, à le faire. C'était très dur pour moi parce que j'ai filmé ma famille, il y a des personnes qu'on voit très vivantes dans le film et qui sont disparues. Donc savoir ça, c'était dur pour moi. Mais je me suis forcé de le faire, voilà, par devoir en tant que cinéaste et en tant qu'Irakien. Et je me suis dit, il faut que je le fasse pour les Irakiens et pour ma famille. Dans la première partie, c'était sous Saddam. Et à l'époque de Saddam, c'était interdit de filmer à l'extérieur. Donc ça explique pourquoi presque tout le film est filmé à l'intérieur. Et aussi c'était les retrouvailles avec ma famille, donc j'avais le plaisir d'être avec eux, de les filmer. Et de toute façon c'était impossible de filmer dehors. Enfin dans les séquences, les rares séquences où je suis dehors, je me faisais couvrir par la présence d'un ami, un acteur irakien très célèbre, une star, Samer Raftan. Donc quand les gens me voyaient, y compris les gens de la sécurité, je pensais qu'on tournait un film documentaire sur lui. Pour la télévision irakienne. Donc ça m'a couvert. Mais bon, quand même, je ne voulais pas prendre beaucoup de risques. Et puis de toute façon, les gens dehors, ils ne pouvaient pas parler. Ils pouvaient pas, même à la maison, je ne pouvais pas filmer ma famille en train de dire ce qu'ils pensaient du régime. Et une fois donc, la guerre a eu lieu et le régime a été renversé, comme heureusement dans ma famille, la maison familiale a été épargnée, elle n'a pas été bombardée, etc., pour rendre compte de la réalité irakienne, il a fallu que j'aille là où s'est passé des choses. Donc j'y vais et à chaque fois, ça se voit dans le film, les gens viennent vers moi. Dès qu'ils voient une caméra, ils avaient besoin de parler à la fois de ce qui vient de se passer, c'est-à-dire la réalité de l'occupation, les bombardements, leur mise en terre 8, leurs enfants tués, etc. Mais aussi de ce qu'ils ne pouvaient pas dire sur Saddam, c'est-à-dire comment ils vivaient sur Saddam. Alors Haïdal, moi j'ai découvert comme vous en tant que spectateur, vous l'avez découvert. C'est-à-dire quand je suis parti d'Irak, ma sœur, elle était étudiante, elle n'était pas mariée. Et donc 15 ans après, elle s'est mariée et puis je rentre en Irak et je trouve ce petit bonhomme qui vient vers moi, oncle, khalo. J'étais son oncle de Paris. Et donc j'avais un certain prestige à ses yeux, donc il s'est beaucoup attaché à moi. Et je me suis beaucoup attaché à lui, il m'accompagnait tout le temps. C'est-à-dire même dans les séquences à l'image, il m'accompagnait, enfin il était à côté de moi. Donc c'était vraiment devenu mon compagnon, mon ange gardien. Et il s'est imposé en fait. Voilà, il y a des gens... Ils ont une présence incroyable et donc ils s'imposent. Et ça t'emparait du film. Et il est devenu le personnage principal, il est inoubliable. Partout où je vais dans le monde, les gens me parlent de lui. Vraiment, il est devenu. Et même pour ma famille, qui ne veulent pas voir le film, c'est-à-dire sa mère et son père ne veulent toujours pas voir le film, c'est trop douloureux. Mais ils sont soulagés de savoir que dans le monde entier, les gens apprécient leur enfant, enfin, qu'ils le trouvent aussi formidable. Enfin, la référence à Rossellini, elle est évidente. Rossellini, déjà, c'est un maître pour moi, c'est une référence avant même de
faire le film. Mais comment ne pas penser à lui, rien qu'aller dans un pays en guerre et dans l'immédiat après-guerre à Bagdad, comment ne pas penser à Ayman al-Nasiri ou même Ville ouverte et Païsa. Et là, par exemple, il y a une séquence où je filme 12 enfants irakiens en train d'échanger avec un soldat américain devant le musée national. Le soldat, il est sur la char, sur son char, et les enfants lui disent « t'as pas de chocolat ». D'un coup, je filmais cette séquence, je pensais directement à une scène de Païsa de Rossellini. Il y avait une séquence aussi des enfants italiens avec des soldats américains. Et chaque histoire, elle a besoin de son temps, que ce soit en forme littéraire ou artistique. Et donc, moi, j'ai regardé le rush. J'avais 120 heures de rush. Et j'avais fait un premier montage de 12 heures que j'ai ramené à 9 heures. Et finalement, je l'ai ramené à 5h30. Mais je n'aurais pas pu faire moins. Parce que faire moins, le film n'aurait plus de sens. C'est-à-dire, cette impression de vivre vraiment avec une famille irakienne sur 1 an et demi, on ne peut pas l'obtenir en 1h30. Il n'y aura pas une suite parce que j'ai dépensé trop d'énergie à ce film. Je crois que ça suffit à lui-même. En plus, entre les deux parties, il y a quoi, quelques semaines de différence. Donc, c'est les mêmes personnages, on les reconnaît. Aujourd'hui, si je filme les mêmes, ceux qui ont survécu, on ne les reconnaîtrait pas. Parce que les enfants ont grandi, ils sont mariés, il y en a qui ont des enfants. Donc, ça n'a pas de sens. Mais je peux faire un film différent, mais de la même façon. C'est-à-dire. Peut-être pas je ne veux plus filmer ma famille parce que c'était compliqué, parce que même ce film, ils ne veulent pas le voir, sans m'en donner leur accord, bien sûr, pour le faire, mais c'est compliqué pour eux. Enfin, c'est une histoire douloureuse, donc je ne vais plus les filmer. En plus, la famille s'est éclatée depuis. Mais je retournais en Irak, j'ai des projets de fiction, documentaire à tourner là-bas, mais je ne ferai pas de suite.